malgré tout ce qu'on a pu dire sur les forces armées nigériennes, je m'étais évertué à élever chez eux et à cultiver chez eux. L'armée a décidé de prendre ses responsabilités en mettant fin au régime que vous connaissez. Après 15 ans de règne, jalonné d'injustice, de corruption, d'égoïsme et d'indifférence à l'endroit du peuple auquel prétendait assurer le bonheur, nous ne pouvions plus tolérer la permanence de cette oligarchie. En ma qualité de chef d'état-major général des forces armées, je décide et proclame la suspension de la Constitution, la dissolution de l'Assemblée nationale, la suppression de toutes les organisations politiques et parapolitiques. C'était son dada. Et il n'entend pas le partager avec quelqu'un d'autre. Il a été élevé dans la mentalité de l'absolutisme. Alors, il est venu avec ça. One of these it'll all be over. Militaire que je suis, vous direz, le militaire c'est le dictateur. Prouvez-moi le contraire, est-ce qu'on peut faire d'un véritable démocrate quelqu'un qui est mentalement sous-développé, matériellement sous-développé et qui n'arrive même pas à satisfaire ses besoins primaires? D'où notre démarche. Nous ne disons pas à d'autres de nous imiter, c'est notre conception. L'histoire dira si nous avons tort ou si nous avons raison. Était omnibulé par l'autosuffisance alimentaire. Quand on a une telle obsession, on ne peut pas aller loin. C'est de pouvoir se passer de l'aide. Et j'étais l'un de ceux à dire à la communauté internationale qu'il y a que s'il était possible, le Niger se passerait de l'aide. Le kilo de sorgho que nous amenions, qu'on amène de l'Oklahoma, ou bien le riz qu'on amène de la Camargue, ou le blé qu'on appelle peut-être des grandes étendues du Canada. Si on nous donnait le prix du transport, peut-être que nous pouvions produire plus de kilos et plus de tonnes. Et nous pourrons recouvrir notre dignité.